Non, c'était juste ça. Ah oui, ça va, je m'attendais à un truc de ouf. C'était pour bien qu'on ait la première cinématique quand même. Bonjour à tous, les amis. Bonjour et bienvenue. C'est le PAG. C'est la vie du sujet comme ça. Trop génial. C'est le PAG qu'on a trouvé, bien sûr. C'est reconnu. Ah oui, on a commencé à parler alors qu'on s'est pas présenté, incroyable. Donc on se retrouve sur un nouveau jeu, bien sûr. Alors par contre, on entend absolument rien, donc je vais peut-être monter. Tac. Ça, on entend ou pas? Ouais. Ça devrait aller. Donc sur de retour sur un nouveau jeu, comme promis la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait faire ce deuxième jeu de la série Phenomenon. Le premier, c'était La Cité de Sion, bien sûr. Ouais. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne, d'ailleurs. Oui. Donc. Qui était... Bah, vous allez voir. Ouais, voilà. N'hésitez pas à aller le regarder. Peut-être que je vais vous mettre une fiche où vous puissiez cliquer pour aller vers le premier épisode. Et donc celui-là, c'est Phenomenon 2, les météorites. Alors vous avez vu qu'il y a des météorites qui sont tombées là. Ils sont pas beaucoup fait chier sur le nom. Hein. D'habitude, ils se font un peu plus chier sur le côté météorite. Science, ça fait un petit côté mystique et tout. Là, les météorites. Les point. Météorites, ouais, c'est genre, tout. J'ai besoin de le volcan. C'est ça. Alors j'ai commencé le jeu, je l'ai pas fini. Il y a mon profil. Ah oui, merde, je suis sur mon profil en fait. Je vais le mettre là. Ah. Voilà. J'ai commencé le jeu, je suis à peu près au dernier chapitre. Donc c'est... Après, alors on sent que les mecs ont progressé quand même. Parce que le premier c'était vraiment bordélique, voilà. Hein. Là on sent que c'est un peu plus maîtrisé quand même. Bah, ce que j'aime bien c'est que t'as quand même pas dit genre est-ce que c'est bien ou pas, t'as juste dit on sent que les mecs ont progressé, donc c'est un peu inquiétant quand même. Là, c'est comme si c'était genre t'as eu une mauvaise note avant, et là le contrôle d'après la prof te rend ta copie, elle fait on sent que t'as travaillé. Là tu te dis ça sent mauvais, c'est toujours bien. Dit, mais ta copie est pas parfaite encore. C'est hein, clair. Bon, y a toujours des petits coins où c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Comme partout, mais y en a moins que dans le premier je pense. Bah, écoute, je me fais confiance, puis on verra bien tous ensemble. Ouais voilà. Ce qu'il en est. Et c'est une édition collector, chapitre bonus encore. Évidemment, mais je veux dire, ta chaîne est spécialisée sur ça. C'est clair. Alors en plus y a des petits trucs à faire, donc le chapitre bonus est là. Alors ça c'est les scènes qu'on a dans le jeu qu'on peut refaire, il faut trouver 3 artefacts en plus. Okay. Dans chaque scène, on s'en fiche. Et là il faut jouer... Et là t'as des petits dessins, il faut reconstituer, c'est un anagramme en fait, il faut reconstituer le mot. Là. Super. Donc ça et ça on s'en fiche, on va juste faire le chapitre bonus, super largement. Normal, comme voilà. D'habitude, vous avez l'habitude de toute façon. Ébauche en écran de musique, voilà, donc classique. Voilà. Et là, il y a le premier jeu là. Si jamais on veut le refaire. Ouais, Non, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, voilà, ça suffit. C'est bon, on passe notre chemin. Alors on va partir tout de suite pour ce jeu. Quels sont ces météorites qui sont tombés ici? Ça serait intéressant de savoir. En tout cas qu'ils sont encore en train de tomber. Peut-être. donc c'est parti. Il y a facile, ouais, donc on prend facile hein, parce que sinon il n'y a pas les zones actives. Ouais, ouais ça je trouve que c'est un jeu d'objets clés sans scène active, je trouve que c'est impossible. Ouais, c'est parce vrai. Parce que rien n'est... Enfin, c'est pas évident, tu dois cliquer à chaque fois. Et en plus même, je me souviens, parce que comme, comme je viens de faire le jeu, il y a certains moments où il y a une scène à faire, et t'es absolument pas au bon endroit, puis si tu cherches pas sur la carte, tu sais pas qu'il y a une scène à faire en fait. Ouais, c'est ça qui est... Genre ils mettent le mode expert, histoire de mettre un mode en plus, mais je me dis c'est impossible à faire, sauf si tu connais le jeu par cœur, à la limite. C'est clair. Donc on reste en facile. Ouais, c'est facile. Moi, je suis un expert du mode facile. Hein. C'est clair. Je suis en train de faire contrôle, j'ai activé plein de cheats dessus. Voilà, faut pas le dire. Alors. Ce qui est important, c'est l'histoire. C'est clair. I've been traveling for 2 days straight on my way to some mysterious island. My parents should be there. I haven't seen them in 20 years. Mm-hmm. I don't remember much about the night they left. Pouk, pouk, pouk. It was raining. And the suitcase my father put down next to me seemed huge. My mother told me not to be afraid, that the people in the house would take care of me. And then they were gone. The door opened, and a pair of strong hands lifted me up and took me in. It all happened so fast, I didn't even have time to get scared. Oh. I remember the warm fire inside the house, and the mountain of gold shining in the suitcase.
I fell asleep to the sound of someone reading a note from my parents. Nous courons un danger terrible et devons vous laisser notre fils Daniel pour assurer sa survie pour les miens seuls. Ok. My foster parents were kind, and they treated me as their own son for 20 years. But a few days ago, they gave me a box with an old map inside. Daniel, lorsque tu auras 25 ans, tu courras un grand danger. Rends-toi sur l'île Météoros, bien sûr. Ok, toujours inspiré, André. C'est clair. Pour découvrir la vérité. Ne perds pas une seconde, va sur l'île. Si nous avons survécu, nous t'y attendrons. Chemin à l'envers. Donc c'est chemin à l'envers qui a laissé la lettre. Sinon, tu trouveras le cadavre. Oui, aussi. Ça aiguillera ta journée. Yes. Voilà. Ah, bah tant pis. Dommage. Suddenly, all the old questions about my parents came back, and I set out to find some answers. I can see Meteorite Island on the horizon. I don't know what I'll find there. Jack Sparrow, c'est vrai. Quoi que non, il ressemble plus à... Comment il s'appelle l'autre? Will Turner, je crois. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'il ressemble plus. Alors, allons sur l'île Météoros, bien sûr. Bon, ça va, il l'a trouvé du premier coup. C'est clair. Pas bien caché, hein. Elle devait être connue. Ah. Boucle d'or. Cosette. Cosette, Cosette aussi. C'est une référence, mais pourquoi pas. Alors, donc voilà l'histoire de ce Daniel qui a été élevé par des parents adoptifs. Ses parents lui ont dit hey, on te met là parce qu'on est en danger, donc ils s'occuperont de toi. Et le jour de ses 25 ans, il lui donne une lettre qui lui dit quand tu auras 25 ans, va sur l'île pour découvrir la vérité. Donc voici. C'est toujours plutôt gay, hein, les histoires de jeux de plaquage. Oui, c'est. À chaque fois, il y a des morts, à chaque fois, il y a des parents disparus. Des... C'est sympa. Je suis immédiatement arrivé. Ok, et nous voici sur l'île. C'est. Plutôt paradisiaque, malgré le temps un peu nuageux, franchement. C'est clair. Ça fait plutôt envie pour l'instant. Mmh. Alors, peut-être on va parler à elle d'abord. Daniel! You're finally here! Quoi? My name is Gloria. I've been waiting for you. Ah, on avait une sœur. Hi, Gloria. How do you know my name? I've heard of you. I know your parents met on the island and got married, just like mine. But they weren't members of the same order. That's prohibited on the island. It's punishable by death. Bah, ça a l'air cool. J'ai plus trop envie d'aller sur l'île en fait. C'est clair. Ouais. Do you know what happened to them? No. I hope they're still alive. But you're the one who should be careful now. The monks are sworn to destroy the children of unlawful unions. Mm-hmm. Then how are you and I still alive? Your parents hid you, and I was saved by the watchmaker. He's the keeper of this tower. Oh, and he's expecting me. I'll see you again soon. Okay, ouais, salut. J'aime bien l'animation qu'ils ont fait pour qu'elle... pour donner un peu l'impression qu'elle bouge, pas que ce soit trop statique. Mmh, c'est un peu comme si c'était un fantôme qui flottait dans l'air. Oui, c'est clair. Ouh, je... Incroyable. Merci, ok. En débarquant, j'ai rencontré une petite fille avec Gloria, pas dit grand chose, mais elle a entendu parler de mes parents. Ok. Donc apparemment, il y a des ordres, il y a des moines, il y a des... ok. Après, elle est, j'allais dire, sauf si le temps se passe différemment sur l'île, c'est-à-dire que c'est bon signe pour que nos parents soient entre guillemets en vie ou s'ils sont morts il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh, parce qu'ils t'ont abandonné il y a 25 ans. Enfin, quoi que non, ils t'ont abandonné il y a au moins 10-20 ans. 20 ans. 20 ans, je crois. Donc bon, elle n'a pas 20 ans, clairement. Non, pas trop. Donc bon, a priori, si elle a entendu parler d'eux, c'est que c'est bon signe pour nous, quoi. Mmh. Donc elle a été recueillie par l'horloger, apparemment, très bien. Qui doit être dans la tour de l'horloge. C'est la logique serait. Voilà. Oui, si, en effet. Alors, donc là, on a notre petit inventaire, bien sûr. Le petit journal. Alors, le journal est nul à chier. Hein. C'est en mode, ah, j'ai ouvert une machin et j'ai récupéré ça. Voilà. Pas trop intéressant. Donc, les objectifs. Alors oui, on a des donc on peut regarder les objectifs. Et en fait, des fois, ça... Ouais, et ça sans nous... ouvrir le journal. Ouais. Et ça nous dit, des fois, à l'endroit où on est, il faut faire ça là, ça là, ça là, ça là. Donc, comme ça, au moins, on n'est pas paumé. C'est plutôt un bon point. Hein. Ouais. Et on a une carte, alors j'ai... On a une carte ici aussi. Alors comment marche la carte? Alors regardez. Ah, c'est grand. Ouais. Donc on a... Il y a un petit tunnel sous-marin. Il y a ça. Un temple. Et ça. Et quand... Okay. Donc en fait, quand on va dessus, voilà, ça nous montre ça. Donc on est ici, c'est le petit truc rouge. Si on doit faire quelque chose, c'est vert.
Et quand on doit retourner, c'est juste la carte d'avant. Mais bon, c'est un peu le bordel, ouais. Tac, voilà. Et si c'est ni vert ni jaune, c'est qu'on a tout fait, en fait. Ok. Voilà, c'est un peu chiant à utiliser. C'est toi qui aux commandes, donc si c'est chiant, c'est toi qui... C'est ça. Bon, ça va. On a le petit guide de stratégie, l'indice, et ici on a un emplacement pour quelque chose qu'on va récupérer plus tard. Et là... ça. Longue vue. Ok. Mais c'est Wind Waker ou quoi? Il suffit qu'il nous donne d'abord une longue vue, quoi. Et là, on a une gargouille avec... Ah oui, il manque des... C'est même flippant parce que, genre, elle serre la pierre et, genre, la pierre, elle saigne un peu, genre... C'est clair. Oui, c'est vrai. Mais c'est un effet classe, hein, mais c'est pas rassurant. Une gondole avec un coffret... Ah! Un support à longue vue. Voilà. Comme de par hasard. Mais ça a l'air pété un peu, ouais. Évidemment. Donc des pièces, allumettes. Ok. Coffre avec un truc qui manque, bien sûr. Alors, il y aura plein de trucs qui manquent, comme d'habitude. Ça, je devais chercher un peu de fois. C'est ça. Ouais. Il y a un petit pont avec une lanterne cassée. Ah, faut pas que je prenne du verre à main nue, bien non. Évidemment, tu pourrais te couper quand même. C'est clair. Pince. Et là, le tunnel sous-marin, justement. Ah, c'est original. Ah oui, c'est le tunnel sous la Manche. Bon, en vrai, un tunnel comme ça, je le prends. Je trouve que c'est drôle. Agrafe. Bien essayé. Ah, le bracelet de la gargouille. Enfin, un sur deux. Un sur deux. Ce monstre a perdu une corne. Putain, c'est moche ce truc. Il n'y a pas avoir la tête, donc j'ai du mal à, à voir où il manquerait une corne, mais... Et là... Il manque un truc au milieu, donc on peut pas rentrer. Il manque quand même beaucoup de choses. Hein. Mm. Mais bon, on se sentir. Ça, ça a l'air bizarre aussi, ça. Ouais. Ok, je peux aller là-bas? Oui. Ah, tout de suite, c'est moins accueillant derrière. Oh la vache. Alors c'est le même genre de truc, mais il y a plus de trucs allumés. C'est peut-être bon signe, je ne sais pas. C'est vrai. Encore un truc, ok. Observatoire. Ah. Ah, c'est... La corne du monstre, ok. Ah, c'est drôle, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à une corne. Oui, tout à fait. Le monstre, on ne prenait pas trop un monstre non plus, donc bon, tant qu'à faire l'un dans l'autre. Ah, non. Il est temps de faire la lumière. Ah, bah voilà. Ah, ça tombe bien, nous avons des allumettes. Tac. Alors vous allez voir, justement, si vous souvenez du premier jeu, vous allez voir que ce jeu-là, ils reprennent un peu le même truc, c'est-à-dire les scènes. Il y avait une mécanique dans la scène où on allait dans le passé puis on faisait une autre scène. Ils ont repris ça, ouais. Et les mini-jeux. Je sais pas si c'était la meilleure idée du jeu, ouais, mais. Ouais, pas trop. Je me souviens plus trop. Et il y a aussi au niveau des mini-jeux, il y en a qu'ils ont repris. Il y a des mini-jeux où il fallait reconstituer une grille en puzzle, là c'était un peu chiant. Puis il y avait aussi des mini-jeux avec des ampoules qu'il fallait placer pour éclairer totalement un truc. Yes, j'ai très hâte. Ils ont repris ça. Ils ont fait un brainstorming en disant bon, qu'est-ce qu'on garde? Ça, pas ça. Qu'est-ce que les joueurs ont aimé? Alors, pomme de pin, gants, disque, ok. Que truc qu'on avait besoin là tout de suite, c'est vrai. C'est ça. Il y a des trous là. Ah! Ouais, c'est je bien. Pense qu'on va mettre les. Ah oui. Il en faudra en mettre un autre. Ouais. Et là. Le pauvre arbre, putain, il est content derrière. Oh, je suis coincé. Moi, je suis coupé. Ah, j'ai des. Oui, j'ai ça. On a ce qu'il faut. Incroyable. Yes. Ah, ça va mieux. Oh, le deuxième. Ah. Mais qu'est-ce qu'on avance vite? C'est incroyable, ça va vite. Non, c'est bien, c'est bien pour l'instant. Après, c'est un arbre, donc peut-être qu'il va mettre 10 ans à se rendre compte qu'on l'a libéré. Ouais, possible. Vu que ça vit longtemps, on sait pas. Alors, je vais aller placer les bracelets. Ah, attends. Non? Ah. Oh, putain, mais la pierre saigne, c'est bizarre. Ça, c'est quoi? C'est pas... Non, c'est pas ok.
Donc là, voilà ce que je vous disais sur le truc. Ils m'ont sans doute fait venir sur cette... Pas fait venir sur cette île par hasard. J'ai essayé d'explorer le rivage. Ah oui. On pourrait continuer un peu plus loin. Après, la forêt est quand même beaucoup moins accueillante que... Ouais, ça a l'air... Que la vue idyllique depuis la plage. Arrière de la tour. Ah. Oh. C'est moins en moins idyllique. C'est clair. Ça fume. Fumer m'empêche de passer, je pourrais peut-être mettre quelque chose dans votre pot de feu. Oh non, il y a de la fumée, je ne peux pas passer, je ne peux pas retenir mon souffle. Je vais m'intoxiquer. Genre, il ne peut pas faire... Oh 10 secondes, à peine 10 secondes, il a passé. Hein. Ah, il y a une pomme de pain. Ah, ouais. Je crois. Oh yes. Hop là, d'accord. Il est pas très précautionneux. Oh mon dieu. Quoi? C'est creepy. C'est ça, là? Ah, c'est vrai, t'as des visages derrière, ouais. Ah ouais, oh putain, c'est... Oh la vache. Ah, faut les voir. Ah oui, donc ça, c'est... Faut mettre là, en fait. Ouais. Et c'est... Mais... Et là, non. Mais fuck. Ah, j'ai trouvé des choses intéressantes sur le rivage derrière la tour. Nice. Merci. Incroyable. Donc, bah, tant pis, on peut pas passer. On verra plus tard. J'avais pas des gants pour quelque chose. T'avais la corne pour le monstre, après est-ce qu'il en faut une ou pas? Bonne question. Non, pas ça. Je me vois de la décoration. Ah oui, maintenant qu'on voit la passion de la corne, je pense au visage. Moi aussi, la première fois, je me disais, c'est pas un monstre, ça. Si. Il me faisait penser à... J'ai plus le nom exact du film, donc désolé, mais... Un film du studio Ghibli, où il y a genre des monstres un peu blancs avec des grosses moustaches. Ça me faisait penser à ça. Je crois que c'est... Ouais. Ah si, je crois que c'est dans le voyage de Chihiro. Ah oui, je sais. Bref. Je ferai un screen et je redessinerai dessus pour te montrer le visage. D'après moi. Mais... Échelle de corde. C'est vrai qu'il nous en fallait une là tout de suite. Ah, j'ai le gant pour ça. Ah, mais c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'on avance vite. Qu'est-ce qu'on est efficace. Incroyable. Justement, il nous fallait exactement ça. Pour la longue vue. Hein? Ok. Ouais, il nous manque encore les verres, du coup, mais... Ça, c'est pas ça, ça, non, c'est pas ça. Ah non, bah, j'aurais mis l'autre truc, du coup. Vu que ça rentre un peu avec la forme. Ah, donc vu que c'était les visages des plantes, là, je pense que ça va nous aider. J'espère. Si la logique est bonne, mais... Il est encore là, hein? Ah bah, l'air bon, tu vois. Ah. My foster parents just gave me the map of this place a couple days ago. Is there any reason they would have waited until now? Some strange meteorites fell onto the island a long time ago. They affect people. After 25 years, people born on the island start to get special abilities. You must be about 25, right? Yeah, but I don't feel any different. Is there something I have to do to get these abilities? The monks each have an amulet of the elements. They use them to learn and store their abilities. The ones with more abilities are much more powerful. You should find one of the amulets if you want to figure out what you can do. Where can I get one? I heard the watchmaker say there was an empty one in the dungeon of the clock tower. Oh, bah oui, on va aller là. Okay, but where should I go with the amulet when I find it? I'll tell you later. Mais... Let's meet by the living gate. Non, je te dirai plus tard. Je te dis tout par petits bouts. Okay. Fais d'ailleurs tout. Alors, la porte végétale. Ah, c'est les visages. Hein. Ouais, du coup, je pense. Alors juste, le jeu marquera un point de mon côté si la carte que t'as eue, qui date d'il y a 20 ans, n'est pas exacte et qu'il y a des changements. S'ils sont pas fait chier et qu'ils ont considéré que la carte que t'as eue il y a 20 ans est encore valable aujourd'hui sans changement, le jeu perd un point. J'ai pas remercié. Donc l'amulette, justement, c'est ce qu'on aura ici. C'est ce qui va stocker nos pouvoirs. Est-ce qu'on va avoir un pouvoir nul? Voilà les objectifs, vous voyez. Donc ça, l'objectif, c'est les objectifs principaux, rejoindre Igorla, trouver l'amulette, et à faire ici, assembler la langue. Vous voyez, pas mal. Ça, c'est bien fait. Donc ça, par contre, du coup, je retire le fait que... Enfin, le côté, tu sais, genre indie et des scènes ou autre, avoir un système comme ça peut permettre d'enlever les indications. Parce que si tu sais que t'as une scène à faire ici, ou un truc à faire, t'as plus, entre guillemets, besoin d'être indiqué. Mais bon. C'est vrai. Ça, c'est pas un mal. Bon ça. Point. Pour le coup. Alors. Et vu qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le livre pour y aller, je trouve ça pas mal aussi. Oui, aussi. Donc ça, c'est là.
Mais... si, c'est bon là, c'est obligé. Hein? Plus bas, je sais pas, je ne vois pas. Bon, bah, tant pis. Avec... Non, mais, c'est pas que ça à faire. Ah, encore un truc là. Ah, c'est... Ah non, c'est là. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai que la forme est plus adaptée. Un peu, ouais. Mais c'est bizarre du coup que ce soit mis dans le... Ah, et ça me fait une vraie qui va marcher, voilà, voilà. D'accord, ah, c'est logique, franchement. Bah oui, franchement. Et on aurait dû s'en douter que les gargouilles transformaient, là. La fleur rose dont Gloria me parlait, elle a parlé d'une fleur rose. Je crois pas non plus. Hein. Non, je crois pas. Hein. J'ai loupé cette information-là, hein, sinon ouais, on peut enlever le dialogue. Donc là, ça marche. Voilà. Ah, faut c'est que un peu destroyer le visage. Hein. Côté droit de la porte végétale s'est effondré, je vais remettre en place, c'est fait. Faut refaire le visage. Putain. Porte, elle est pas bien épaisse, hein. Oui, c'est. Passe facilement. C'était c'est comment ça. Ah, il y avait des. Je crois que la. Ah, ouais, bah, c'est matal, moi. Hmm. C'est les sourcils, ça. Ah, oui. Ça, c'est quoi, hein, la bouche? La bouche. Ouais, ça va, on a connu plus difficile. Ouais. Ça, c'est les couilles, non? Il yes, n'y a pas le corps modélisé. Il n'y a pas le corps, dommage. Ça aurait pu. Ah oui, ça c'est le nez. Ça, je sais pas. Ça, ça c'est quoi cool. C'est où ça? Bah, il n'y était pas, puisque c'est ce qu'on a rajouté ah, sur oui, le côté. Faut jamais a priori. Ça. Ça. Ça, le jeu est généreux sur. C'est clair. Ah si, du coup, la fleur, on la voit, elle est en haut à droite. Ah oui, là. C'est la fleur que là dans les cheveux. Il lui manquait sa fleur, du coup, c'est... Vous pouvez passer... Hein? Alors, tu me dis tout, cette fois. Hi, Daniel. You need to take the amulet and go to the underwater tunnel. You need a password to get in, though. It changes daily. A phoenix delivers the new password every morning. Quoi? D'accord. Pourquoi faire ça? C'est simple, ouais. That certainly sounds complicated. Voilà. Well, I can make my way to the dungeon tonight. In the morning, I'll head to the tunnel. What? You can't be wandering around all night with an empty amulet. A patrol will catch you. You have to come back today, this morning. What? This morning already happened. What you're talking about is... Not on this island, silly. Just look for the Wheel of Time. It's a little wheel you'll need to attach to a telescope. Okay, time to go. Good luck. D'accord. Et donc voilà la mécanique du temps. Voilà. Enfin, on l'a juste ici, mais après, elle sera dans les scènes. Putain. Alors, trouver l'amulette. Oui, faut qu'on trouve notre amulette dans les catacombes pour récupérer nos pouvoirs. Ce serait bien. La roue du temps, oui, parce qu'en fait, donc, pour rentrer dans le tunnel sous-marin, qui est là, il faut un mot de passe, qui est délivré par un phénix qui passe tous les matins. Ok. Sauf que là on est. Voilà. Sauf que là on est l'après-midi. Donc ce qu'il faut c'est récupérer la roue du temps pour revenir ce matin dans le passé pour voir quel est le mot de passe. Voilà. Ok. C'est vrai. Parce que genre le phoenix il passe, il le dit à voix haute et si on n'est pas là tant pis pour nous quoi. Ouais. Parce que j'allais dire s'il l'a donné, bon la petite elle doit l'avoir non. Ouais. Parce qu'en fait c'est un. Le mot de passe c'est un espèce de petit rouleau que tu mets ici en fait. C'est. Ok, très bien. Superbe. Chaque fois que je la vois, Gloria m'apprend quelque chose d'incroyable, c'est vrai. Elle m'a dit qu'on peut remonter le temps. Oh, en même temps, elle sait tout sur l'île, nous on sait rien sur l'île, donc forcément... Mmh, c'est vrai. On forcément d'apprendre quelque chose, quoi. Alors... Alors, je peux avancer plus loin, là-bas. Ah, les catacombes. Cool. C'est très ambitieux. C'est clair. Après, il y a le des... poisson qui gère la lave, ouais, là, voilà. Sur le côté. Il y a des statues partout. Un puits et j'ai une échelle. Ah bah oui, je vais aller dans le puits qui brille jaune. Ouais, c'est ça, ça donne très envie. Vraiment, c'est rassurant. Arche murée. Levier coincé, cool. Fontaine. La fontaine représente la rencontre de deux éléments. Il manque un élément au centre. L'eau. Non. Ouais. C'est vrai que dans une fontaine... Oui, c'est logique. Ok, il n'y a pas un truc à côté là. Ah oui. Un bouclier dans une assiette. Très bien essayé.
un chariot de glace. Il faut que je l'ouvre, ok. Ah, il y a un casque. T'as un casque que tu peux récupérer peut-être. Ah non. Vu que tu veux t'apprêter à descendre dans les profondeurs, non, a priori. Non, dommage. Ok, bon, on descend sans, c'est pas grave. Ah, le deuxième. Crac. Et là, quelqu'un a caché un maillet de gong dans les racines. Bah merde. Ah, le petit aligo. Qui voudrait faire ça? Et il y a un trou dans le chemin. Avec une forme de poisson. Superbe. Et la porte? Il manque un rouage. Ah! Ça ressemble un peu à ça, une pièce. Hein. Donc ça, c'est là, non? Ouais. Mais il y a un rouage ici. Oui, non, tout le rouage, mais... Que de mécanismes. Faut te hâter. Il faut faire vite. Oui, bah, on fait ce qu'on peut. Là, tout est fermé. Pas idéal, quoi. Ah, bah voilà. À chaque fois, on se retrouve bloqué par quelque chose, et puis on le trouve juste après. C'est trop bien. Ah, c'est bien fait, du coup, ça, pour le ouais. coup. Qu'il te donne, enfin, qu'il te donne pas avant, trop avant, trop après. C'est quoi ça là-bas? Y'a pas d'attraction, je sais pas. Ah non, c'est un genre de dôme, je crois que j'avais vu sur la carte. Ah oui. Ah. Ah oui, c'est ce truc là, là. Ouais. Je crois. Et là. Bon, on y sera peut-être dans longtemps, non, c'est vrai. Y'a un mini-jeu, non? Ah oui. Ah, nice. Allumer toutes les ampoules et les connectants d'une ligne continue, la flèche de gauche et la flèche de droite. Super. Ouais, donc faut faire un chemin, ok. Ah, il faut toutes les allumer. Ouais. T'as le droit d'aller en diagonale ou pas? Je crois, oui. Ouais. Ok. Alors attends. Bon, moi je l'ai. Enfin, j'ai un... Faut que tu passes par en bas. Soit tu passes par en bas et tu remontes. Ouais, je crois. Soit que... tu passes par en haut et tu redescends après. Ça revient au même. Ah oui, ouais. Si je fais comme ça... Tu sais, j'avais un mini-jeu comme ça que je faisais sur mon téléphone avant. C'est pour ça que... je suis rodé. Ah oui. Bon, je vais passer par en haut, là. Donc choisis ce que tu veux, en vrai. Pas mal, oui. Ça, comme mini-jeu, en vrai. Ouais. Ah, il y a plusieurs difficultés. Ah, clairement, il n'y aurait pas qu'un seul niveau. Allez, ça y est. Nice. Ça commence à être plus sport. Putain. Alors, tac... Je crois que tu vas devoir passer par en haut d'abord. Ouais. Ah, quoi que non, c'est... ouais, si. Attends. Après, tu redescends. Genre, tu fais tout ce qui est en haut possible jusqu'au milieu. Ouais. Ensuite, tu vas redescendre par le milieu. Ici, par, tu redescends là. Enfin, par pas, là. Non, pas totalement. Tu laisses juste les deux d'en bas. Ça, tu repars vers la gauche. Tu fais la boucle du haut. Tu finis ce que t'auras pas fait en bas. Tu reviens là. Et là. Ouais. On va essayer. Il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Ouais. Là, je fais tout. Non, je fais pas tout. Non, t'en fais peut-être juste un si tu veux. Non, moi j'aurais pris d'abord celui qui était en haut. Bon, ça revient au même. De toute façon, tu pourras le faire après. Ouais. Oui. Voilà, moi j'aurais fait ça. Ok. Après, tu repars sur la gauche. Là, je vais là. Ouais. Tu passes par le haut. Ouais, bah tu suis le chemin. Non, il faut que tu fasses les deux qui sont tout en bas à gauche. D'abord. Ah oui, non. Tout en bas à gauche, j'ai oublié deux. Ah, je peux retourner en arrière. Heureusement. On va faire ça très sinon. Ok. Et là. Non, tu commences par celui du bas. Ouais. On remonte. Et voilà. Nice. J'allais dire un troisième. Putain, je suis déçu là. Dommage. Build-up, il aurait fallu un troisième encore plus dur et là ça aurait été parfait. Bon, tant pis. La porte des catacombes était difficile à ouvrir, mais je suis pas revenu. J'y trouverai une amulette des éléments déchargés. Ok. Et il va falloir la charger avec les éléments. Logique. Yes. Mais du coup, on a. Un pouvoir ou des pouvoirs, parce qu'on parle des éléments. Des pouvoirs. Parce qu'en fait, il y a, en fait, l'allumette, il y a eau, terre, feu, air, et puis après, il y a eau plus feu, terre plus et air, eau plus terre. Ou tout le monde a un pouvoir unique? Non, je crois que tout le monde c'est pareil, je crois. Ok. Bon, c'est pas drôle. Je pensais que genre chacun aurait un truc unique et du coup les pouvoirs les plus forts. Voilà. Et nous, on serait peut-être l'enfant de la prophétie ou je sais pas quoi. Et du coup, il serait jaloux de nous. Et c'est pour ça qu'il y a des parents protégés, quoi. C'est clair. Par contre, il y avait des... Il me semble que j'avais trouvé un truc, là, mais je sais... C'était où, déjà? Ah, là, voilà. Ça, j'avais pas pris. Donc ça, en fait, c'est l'histoire de l'île, justement. Ah, intéressant. Reproduction du tableau Naissance de la gravité par Arthur Schlink. Attirance pour les fragments et apparition de pouvoir, découverte de la dépendance aux fragments. En fait, il découvre les morceaux de météorites. Il y en a quatre, qui correspondent aux quatre éléments, bien sûr. Et ils sont... c'est ça les ordres dont elle parlait. Donc chacun est
affiliés à un élément, à une météorite, là, qui vénère, et puis ils se font la guerre entre eux. Super. Voilà. Tableau 4 éléments, 4 cathédrales, au cours de la construction, 4 ordres ennemis se forment. Voilà. Feu, terre, oh, machin. Sympa. Ça donne envie, hein. C'est ça, ouais. Donc voilà. C'est ça que je voulais trouver. On a failli tomber, passer à côté de ça, franchement. C'est clair, franchement, c'est important l'histoire, de, le lore du non, jeu. Non, mais oui, c'est plus intéressant. C'est clair. Peut-être. Donc là, on est rentré dans les catacombes, et je pense qu'on va s'arrêter là. Déjà non, on, a pas eu, on a pas eu de scène, fuck. C'est vrai qu'on a pas eu de scène, tu sais pas s'il y a une scène rapidement là. Non, je pense pas. L'épisode de lui cacher sans scène. Je crois que la première, elle est là-dedans. Qui a des jolies couleurs d'ailleurs, ça donne envie. Et... C'est vrai, ouais. Violet. Ouais, franchement, c'est beau. Donc voilà, ben, si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager bien sûr, à mettre des likes. Et la prochaine fois, donc, on plonge encore plus dans cette histoire incroyable, ce jeu. Et voilà, et on essaiera de récupérer notre amulette. Et découvrir, parce que ça donne nous avec des pouvoirs. Ouais, c'est ça. Ça va être marrant. Donc à la semaine prochaine, les amis, merci à tous et ciao. Salut.